Je t'entends. Donc on va, voilà. Donc Atomium et Grand Place. Donc Thierry, on nous demande d'aller vers l'Atomium et la Grand Place et de faire un faux direct des deux côtés, ça va? C'est toi qui sais par où on commence. Les deux, c'est possible. On a encore, si on commence à 35, donc on peut peut-être commencer par la Grand Place ici, ça c'est comme toi tu décides. Hein. Eh bien, commençons là. Donc prépare-toi alors, hein, Nicolas. D'abord l'Atomium. Ce sont des fous. D'abord l'Atomium. Je t'entends tout à fait. Tu veux que je commence? Tu me dis quand je commence? Oui, ok, d'accord, parfait. Ok. Et tu me dis top quand j'arrête, hein. Nous sommes donc ici. Au-dessus de Bruxelles, hein, c'est vraiment une chose absolument unique de pouvoir faire cela. Ok, d'accord. D'accord, tu te dis. Dis-moi clairement quand on commence. Ok. Nous sommes en train de quitter petit à petit la capitale et on va vous montrer une dernière fois une vue magnifique ici, un quartier résidentiel. Mais clairement, il y a tellement de merveilles dans cette ville que nous allons vous en donner un peu un aperçu avec évidemment un message. Hein. Restez chez vous, merci. Partout ce genre de message est visible. Merci déjà pour celui-là. La capitale, elle est un petit peu plus loin par là. On va vous montrer cela avec cet hélicoptère muni de caméras. Une caméra, une capitale extrêmement verte. Hein. Vous voyez que c'est là qu'effectivement on aperçoit plein de forêts tout autour de cette ville. On dit d'ailleurs souvent que Bruxelles est la capitale la plus verte d'Europe. Et là-bas au loin, tous les grands monuments hein, de Bruxelles, l'Atomium que vous allez observer petit à petit, la Grand Place. Ce qui est amusant, c'est que quand on est comme cela vu de haut, on a l'impression que tout est proche. Il faut dire que grâce au fait que pour l'instant il y a peu de voitures en rue, c'est vrai que les distances sont un peu plus rapprochées. On arrive plus rapidement d'un point à un autre.
mais en hélicoptère, je le découvre, c'est la première fois en ce qui concerne que je survole la capitale, ça va tout de même encore bien plus vite. Nous sommes tout près de l'Air Telehouse et je la vois là au fond, vous la distinguez peut-être, vous le distinguez peut-être, l'Atomium. L'Atomium, évidemment, créé pour l'exposition 1958, 102 mètres de haut, 7 boules. À l'époque, l'ascenseur le plus rapide du monde, c'est moins le cas aujourd'hui, bien sûr. L'Atomium, c'est un cristal de fer agrandi 165 milliards de fois. Bon, un peu moins romantiquement, on voit ici une des autoroutes d'accès à Bruxelles, une autoroute complètement vide ou presque. C'est vrai que le lundi de Pâques, en général, il y a moins de circulation, mais à ce point-là, c'est évidemment dû au confinement. Et encore un autre message, des gens qui nous font signe. Bonjour à vous. On va vers le Brabant wallon ou on regarde, on reste encore une seconde à Bruxelles, c'est vous qui nous dites. Ah, on nous demande de rester sur les gens qui... On nous demande de rester encore une fois sur les gens qui nous font signe, Thierry. On revient. Toujours dans la capitale, toujours à Bruxelles, un accueil très chaleureux avec une famille qui nous fait signe, une famille nombreuse. Bonjour à vous, dans le jardin, et même des bisous, c'est magnifique. Une solidarité bien sûr fabuleuse avec un message qu'on a un petit peu du mal à distinguer, peut-être vous le voyez mieux avec un grand écran, moi j'en ai un tout petit. Mais en tout cas des gens très motivés, et on les remercie. On peut aller dans le Brabant wallon. Oui, vers le Brabant wallon. On va quand même passer par l'Atomium avant, je pense. Donc Nicolas, si tu veux qu'on fasse un petit quelque chose sur l'Atomium, tu me dis. Hein. Que là on fait quelque chose à l'Atomium ou tu fais seulement les images?